Salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va travailler une leçon de vocabulaire intitulée l'alphabet. D'accord? Vous allez utiliser le cahier d'activité 1 à la page 8. Allons-y! L'alphabet, c'est quoi? C'est l'ensemble de lettres qui forment les mots et les phrases en français. Combien l'alphabet compte-t-il de lettres? L'alphabet comporte 26 lettres, oui, 26. D'accord? Vous voyez les amis? Parfois, ces 26 lettres s'écrivent en majuscules comme vous le voyez ici. Et parfois, elles s'écrivent en minuscules. Comment? C'est-à-dire des petites lettres comme vous voyez ici, en bas, maintenant. Voilà les lettres en minuscules, d'accord? Et maintenant, puisque vous êtes en EB2, bien sûr, vous avez étudié l'alphabet par cœur, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez dire A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, et ainsi de suite. Et comme ça, vous chantez. Vous avez retenu toutes les lettres, n'est-ce pas? Maintenant, on va travailler cet exercice. Regardez comment. Complète avec la lettre qui manque. D'accord? A, B, D, E. Quelle est la lettre qui manque, les amis, ici? Devinez. Vous allez deviner la lettre cachée. D'accord? 1, 2. Voilà, mademoiselle C qui est arrivée et elle se met à sa place. D'accord? Maintenant, A, B, C, D, E, F, H. Quelle est la lettre qui manque ici entre F et H? Devinez, devinez. Voilà, demoiselle G qui est arrivée. Soyez la bienvenue. Maintenant, H, J. Quelle lettre? Quelle est la lettre qui manque ici? Allez, 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 devinez. Et bravo, je vous ai entendu, bravo. Maintenant, K, M. Quelle est la lettre cachée? Allez, allez, c'est L, bravo, bravo. M, N, P. Voilà, demoiselle O est arrivée. Allez, P, Q, R, T. Voilà la lettre qui manque. Entre R et T, c'est le S. Bravo! Maintenant, quelle est la lettre qui manque entre T et V? Voilà, voilà, U. Et enfin, entre W et Y, c'est la lettre I, X. Bravo les amis! Regardez la lettre A, comment elle danse. Entoure la première lettre de chaque mot de la liste suivante. Je regarde seulement la première lettre de chaque mot. Puis, classe-les dans la bonne colonne. C'est après. Maintenant, je regarde enfant. Où est la première lettre de enfant? C'est E. Donc, j'entoure seulement la lettre E. Forêt. Où est la première lettre du mot forêt? C'est le F. Donc, j'entoure seulement la lettre F. Et ainsi de suite. Deuxièmement, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde, je trouve une colonne, un tableau. Il y a des colonnes dans ce tableau. Il y a la lettre A. Quel mot commence par la lettre A? Regardez, regardez. Il y a avancé. Bravo. Qui a dit avancé? Tu as gagné. Bravo. Donc, je vais mettre le mot avancé dans la colonne de la lettre A. Voilà. Avancé est arrivé. La lettre B. Je cherche quel mot commence par la lettre B. Bravo, c'est bizarre. Allez, viens bizarre en bas. Bon, bravo. Maintenant, c'est la lettre E. Quel mot commence par la lettre E? Bravo, c'est enfant. Et maintenant, quel mot commence par la lettre F? C'est forêt. Bravo. Quel mot commence par la lettre P? Promenade. Bravo. Quel mot commence par la lettre S? Sommet, bravo! Quel mot commence par la lettre T?
Bravo les amis, bravo, bravo, vous avez gagné. Et maintenant, vous allez travailler dans le cahier d'activité, la page 8. D'accord? À bientôt mes chers!